cross-eyed man, he said to me, let it rain or let it pour, but I don't care if the sun won't shine. I've been here and I've been there. I even been to Arkansas, where I found me a friend. I call him my friend. Let it rain, I said, let it pour. I don't care if the old man snores. West of the Great Divide, I'm going east to Santa Fe. Grab me a ride, we're riding blind, going down the county line. Let it rain or let it pour, I can hear the people say, play your song, it won't take long, like a natural ragtime band. Big Lick Ida, she can't get high, she just sits and sings a blues. Oh yeah, so we've been told. A cross-eyed man, he said to me, let it rain or let it pour, but I don't care if the sun won't shine. I've been here and I've been there. I even been to Arkansas, where I found me a friend. I call him my friend. Let it rain, I said, let it pour. I don't care if the old man snores. West of the Great Divide, I'm going east to Santa Fe. Let it rain, let it pour, or I just don't care, I'm talking now. Let it rain, let it pour. Regarde là-bas, il y a un homme qui attend depuis 3 jours. Est-ce qu'il ne te chercherait pas par hasard? Ah oui, il est là pour moi. J'en étais sûr. Il devait se demander ce que je devenais. Si tu veux retourner en prison, ne te gêne pas. C'est un ami, mon meilleur ami. Peut-être. À bientôt. Salut, Charlie. Salut, Ben. Eh oui. Ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est un ami qui te tend la main. J'appelle souhaiter la bienvenue. Je te trouve très bien. T'es en pleine forme. J'ai l'impression que t'as encore grandi. Oh! Ah, mais c'est lui! Je ne connais plus. Dis-moi que je me trompe. Dis-moi, tu m'en veux, hein, Charles? Ah, hein? Non, mais pas du tout, Ben. J'ai mis 2 ans pour ramasser 3 000 $. Et tu les as perdus en un jour. Ah, mais c'était un investissement. On pouvait avoir 2 fois plus en revendant le troupeau, tu le sais très bien. Exact, mais il ne fallait pas aller le proposer au type à qui tu l'avais volé. Je l'avais pas reconnu. Il s'était laissé pousser la moustache. Et puis, qui a été en prison, hein? Qui est-ce qui a payé? C'est moi, pas un autre. Oh! Je vais te dire, tu n'as pas encore payé. Charlie. Si tu ne veux pas t'arrêter, on va se fâcher, j'en ai peur. Ah! C'est déjà fait, on est fâché. Bats-toi comme un homme. Ah, tu voulais vraiment te battre? Mais alors pourquoi tu l'as pas dit tout de suite?
Et halte! Hein? On peut avec les pieds? Bien sûr, on peut avec tout! Allez, t'es foutu! T'en as pas assez, non? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, hein? Allez, vas-y, calme-toi, tu veux que je te crève un œil, les crèves les deux, ou bien que je te casse les pattes, hein? Ah, t'es un peu sale, l'autre, hein? Parle. Tu prends les gens en traite. Et tu voudrais que je te pardonne, hein? Là, gauche! Oh. Et gauche! Oh. T'en peux plus, hein? T'en peux plus, allez, viens, t'en peux plus. Oh la vache. Je t'ai achevé. Ah, on s'est bien amusé, mais ça fait mal, tu sais. Charlie, t'es encore en colère, hein? Écoute, en prison, j'ai le temps de réfléchir, j'ai des tas d'idées. Le contraire m'aurait étonné. Des affaires importantes. J'en ai assez de cette vie de clochard. J'en ai assez des cartes truquées, des petits vols qui rapportent des clous. On va fonder une société. Tu ne le sais pas, Charlie, mais ici, l'or jaillit de partout. Deux hommes aussi capables que nous ne devraient avoir rien d'autre à faire qu'à l'entasser. Tu seras le bras et moi le cerveau. Où ça nous conduira? Dans un cercueil à deux places. Hein? Charlie! Mais où est-ce que tu vas? Le plus loin possible que je pourrais. Je n'ai pas envie de voir ce qui va sortir de ta pauvre cervelle fêlée. Mais qu'est-ce que je fais pour la société? Ça te regarde. Tu sais que je ne tiens pas au fric. Tu vas pouvoir garder tout et on se quittera sans rancune. J'irai au nord, t'iras au sud. Ah! C'est clair? C'est très clair. Qu'est-ce que tu crois? Mais j'en trouverai quatre et peut-être cinq des associés. 20 si je veux. T'entends? 7. Des cerises où l'on s'en va de cuillons les belles ondes, la folie en tête et les amoureux. Et du soleil.
26 jours. I'm going east to Santa Fe. Grab me a ride, we're riding blind, going down the county line. Let it rain or let it pour, I can hear the people say. Play a song, it won't take long, like a natural ragtime band. Big leg high, she can't get high, she just sits and sings the blues. Oh, yeah. So we've been told. Yeah, now play a song. I said it won't take long. You're a natural ragtime band. But big leg high, she can't get high, she just sitting and singing the blues. Oh, yeah, yeah. Tu vas toujours au sud et moi je vais toujours au nord. T'es toujours aussi salaud. Un joli sourire. Un peu moins timide, ma jolie. Montrez vos belles dents. Vous ne voulez pas? Oh, ça ne fait rien. Ne bougez plus. Attention. Ah, c'est fini. Avancez votre tête, qu'on vous voit bien. Attention, ne bougeons plus. Regardez bien droit devant vous. Que j'ai fait un effort, j'espère que tu seras gentille avec moi. Non, c'est pas assez. Mmh. Alors? Ah non, ah non, seulement au moment de la livraison. Ou alors tu ne les palperas pas. Oh. Toi, tu palpes pour l'attendant. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse tomber. J'ai perdu assez pour aujourd'hui. Cherchez-en un autre. Whisky. Une bière. Vous avez perdu? Une petite fortune. Il y a là-bas un type qui a une véritable veine de cocu. Il m'a pris $2000. Une vraie fortune? Suivez-moi sans vous faire remarquer. Venez. Allez.
allez faire ici? C'est occupé, non? Chut! Vous n'allez pas rester ici à m'emmerder, j'ai besoin de calme, moi. Sinon, ça ne marche pas. Fais ce que t'as à faire et t'occupe pas du reste. Ah, c'est facile à dire, ça. Il ne faut pas croire que ce type a tellement de chance. Il triche comme quatre. Mais comment vous en êtes-vous aperçu? C'est pas compliqué, il me suffit de voir comment il bouge les épaules. Je vais lui mettre la tête embrouillée, moi. Faites pas de bêtises, alors. Sinon, vous ne lui reprendrez rien, même pas un centime. Oh. Il vous reste encore un peu d'argent? Oui, mais très peu, à peu près $500. Parfait. Je vous propose une affaire. Donnez-les-moi. Si je vais aller m'asseoir là-bas à votre place et je lui reprends $2000. Et tout ce que j'arriverai à avoir en plus, je le garde. D'accord? Allez, décidez-vous. Je vous connais pas, monsieur, et vous devez comprendre qu'il me faut quelques petits... Alors? Bon, ça va, prenez-les. Mais attention à ce que vous faites. Ayez confiance. Je voudrais bien. Un beau billet, mais fais bien attention à ce que tu vas en faire. Ça ne vous ennuie pas que je donne ma place à un ami, n'est-ce pas? Excusez-moi, voilà votre argent. Tu as peur? Hein? Je ne veux pas perdre une pareille occasion pour tout l'or du monde. Que ce paquet de cartes est un peu trop léger. Il en manque une. Il court, il court, le furet. Il est passé par ici. Il repassera par là. Le voilà. Regardez où elle s'était cachée. Qui aurait deviné qu'elle était là? Espèce de connard qui l'a glissé là-dessous. $20. 50. Je suis. $100. Je suis. $100. $100. Ils sont devenus fous, ma parole. $200. Ça va, débrouillez-vous tous les deux. Carte? Une. Celle du dessus. Bien sûr. $100 pour voir. $300. $500. Je connais. Non, pas ça. Elle est suisse. Ils ont 6 as. Et alors, 3 chacun, c'est bien ce que je dis, ils sont à égalité. Excuse-moi, silence.
Ils sont à égalité. Oui, ils trichent tous les deux. Un moment. Tu n'avais pas compris que je faisais le truc des quatre as. Non, mais excuse-moi, je savais pas que j'allais aussi les toucher des quatre as. Garde, monsieur. Qu'est-ce que tu fais, toi? Devine un peu. C'est la diligence qui va vers le sud. Tu vas la prendre et tu iras jusqu'au bout. Moi, je prendrai celle qui va vers le nord. C'est clair? C'est très clair. Va au nord. Va au diable, moi je m'en fous. Tu sais ce que tu es. Un crève la faim. Un pauvre type. Un petit voleur à la manque. Continue. Ça ne te suffit pas? Quand je serai devenu un vieux crève la faim de plus de 80 ans, je me souviendrai de mon passé. Je me souviendrai d'un petit prétentieux mort à 20 ans d'une balle dans la tête. Nous avons fait plus de 150 kilomètres ensemble. Et le voyage est encore long jusqu'à San Diego. Je ne serais pas plus gentil de faire un pacte d'amitié tous les deux. Ah. Est-ce que je peux vous offrir un verre d'anisette? J'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Toute la région est dangereuse. Mais la mort est partout. Geronimo est sur le sentier de la guerre. Mais je croyais mort. On ne doit jamais se fier aux Indiens. Mais qui êtes-vous? Mais venez dans mon bureau. Je vais vous le dire. Vous permettez, je me présente. Ah, oh, aïe, 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 Belle journée, vous ne trouvez pas? Il y avait un peu moins de gêneurs, ce serait parfait. Mais pas n'importe quel gêneur. Ah oui. Eh bien, il faut de bons yeux pour arriver à distinguer ce qu'il y a sous ces guenilles crasseuses. Je me suis déguisé. Si c'est un déguisement, il est parfait. Vous ressemblez à un va-nu-pied. Un émigrant sans le sou, un chercheur d'or qui n'a rien trouvé. Vous êtes trop bonne, vous me comblez, chère madame. Excusez-moi, mais j'ai... Il me semble que vous et moi, nous nous sommes vus quelque part. Mais oui, c'est exact. C'était devant un prêtre. Je vous ai dit oui, mais vous, vous ne disiez rien. Je ne me souviens que d'une chose, un tout petit nuage de poussière à l'horizon. J'espère, Sarah, que tu n'es pas fâchée contre moi pour ça. Pas du tout. Je trouve que j'ai eu de la chance, j'ai échappé à un grand danger. Sarah,
Tu n'as pas changé en 3 ans. Ah, toi non plus, Ben. Mais moi, je voulais te faire un compliment. Pas moi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ce que je fais? Ce que je faisais quand tu m'as rencontré. Le même métier, Trésor. La putain. Ah, le grand Ben Bellou. Courageux comme un lion quand il faut se battre, impassible sous les balles, mais qui a peur de la vérité. De la réalité. Je n'ai pas raison? Ça suffit, Sarah, ne recommence pas. Oh, sois tranquille, je n'en ai pas l'intention. Tu vois comme je suis discrète, je ne te demande même pas ce que tu fais. Ça ne servirait à rien, je le sais. Tu rêves comme toujours. Tu crois courir après des choses que tu trouves très importantes, comme l'argent, la gloire, le succès. Tu voudrais tout avoir, bien sûr. Tu crois faire ce qu'il faut, et en réalité, tu fais tout pour que ça t'échappe. Mais pas du tout, Sarah. Sarah, tu ne sais pas ce que je ressens. Tu n'as jamais fait le moindre effort pour essayer de me comprendre. Tu vois, c'est comme si j'avais dans mes mains une traite où on pourrait lire « Bon pour 20 ans de bonheur, de richesse et de liberté. Je veux trouver le type qui a mis sa signature pour que je puisse lui réclamer ce qu'il me doit. » Tu pourrais avoir la surprise désagréable de découvrir que ce type est tout habillé de noir et qu'il travaille pour les pompes funèbres. C'est un risque que je prends. Les voyageurs à destination de Red Rock et San Diego en voiture, s'il vous plaît. Nous partons dans quelques minutes. Tu prends aussi la diligence, Ben? Non, j'ai mon cheval. Mais alors... Oui, bien sûr, je comprends. Bon, il va falloir nous séparer. Écoute, Ben. J'ai sur moi $200, mais je n'en ai pas besoin. Prends-les. Là où je vais, on me paye bien. Prends. J'ai vraiment envie de rire, Sarah. Te fie pas aux apparences. Je suis dans les affaires maintenant. Ça me touche beaucoup. Tu es très gentille. Mais s'il y a une chose qui me manque, Sarah, c'est pas ça. Fermez la porte. Ouais. Sarah, écoute! Donne-moi seulement 2 mois, et un jour tu me trouveras devant ta porte avec un carrosse tiré par 10 chevaux blancs. Tu monteras à l'intérieur, et moi je serai là. J'aurai l'air d'un lord et je fumerai un énorme cigare comme ça. Je te le promets. Et tu poseras tes petits pieds sur un joli tapis d'hermine. 2 mois, 3 au maximum. Dis-moi que tu m'attendras. Occupe-toi de tes oignons. Tu cherches des histoires? Allez, viens. Je pensais qu'on pourrait peut-être organiser une partie de cartes en attendant de prendre l'autre diligence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aurais changé d'idée? Ça me regarde. Tu me cherches des histoires? Ah non, pas du tout. Non. Oh, mais c'est affreux, ça. Mais alors, si j'avais rencontré Géronimo, je serais plus vivant. Oh, bah, j'ai eu de la chance. Où est la diligence? La diligence? Excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas vu la diligence par hasard? Vous voyez ce petit nuage de poussière là-bas? Oui, monsieur. C'est la diligence. Elle n'est pas loin. Courez.
Oh, merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Cocher! Red Rock, 20 minutes d'arrêt. Je signale à messieurs les voyageurs que s'ils veulent se désaltérer, c'est le moment. La prochaine étape sera très longue. Enfin, si on y allait, nous aussi. Je crève de soif. Je boirais bien quelque chose. Un peu d'eau fraîche et tu trouves une fontaine. On a juste assez d'argent pour arriver à Phoenix. On les boit et on reste ici pendant quelques temps. À compter les mouches. J'aimerais savoir ce qu'on peut faire d'autre dans un pays comme celui-là. Déjà passé à Phoenix, c'est une grande ville. Pleine d'imbéciles qui ne savent pas quoi faire de leur argent. On pourra organiser quelque chose. Oui, peut-être. Mais je te jure que si j'avais un pistolet, j'en trouverais ici aussi des imbéciles riches. C'est moi qui te le dis. Je suis très content que tu ne l'aies pas, mon cher associé. Je me sens beaucoup plus tranquille. Où est-ce que tu vas? Jeter un coup d'œil sur les pistolets. Il n'y a pas une loi qui interdit de les regarder, non? Ça ne va pas? Ah non, pas du tout. Il n'est pas droit. C'est impossible. Je peux regarder. Est-ce que vous voyez bien? Oui, parfaitement. Je peux même voir la balle dans le baril. Ah, très bien. Restez comme vous êtes et fixez-la bien. Et ne respirez plus. Ou je vous l'expédie en plein dans l'œil. Thank you.
ce que vous êtes. Et par un geste. Silence. Personne n'a parlé. J'ai dit silence. Et en l'air, les mains. Allez. Recule. Encore. Et toi, viens là. Pressons. Mets les billets là-dedans. Aide-le. Allez, dépêchez-vous. Faut rester là. Plus vite, plus vite. Charlie. 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 Qu'est-ce que t'as encore fabriqué? Tiens, devine. Au voleur. Il a dévalisé la banque. Attrapez-le! Attrapez-le! Il a dévalisé la banque! Oh. Tiens, le tiens-le! On a dévalisé la banque! À l'arrière! Tout le monde à l'intérieur! Allez, reste un peu. Oh. Oh. Félicitations, bien visé. C'est dans ta tête que j'aurais dû l'envoyer. C'est grave, chérif. Il faut aller chercher le médecin. Laissez-moi la paix. Vite, pour nous. Tout le monde à cheval. Il faut rattraper ces bandits. Il vous faut d'abord faire un pansement. Hein. Vous avez le poignet cassé. Ça peut attendre. Pressez-vous. Et n'oubliez pas que c'est votre argent qu'ils ont volé. Allons-y. Je vais les voir pendus au bout d'une corde. Allez, en avant. Gare. Mais Charlie, raisonne. Si je t'avais dit je vais voler ce pistolet, je dévalise la banque et je reviens, qu'est-ce que tu m'aurais répondu, hein? J'étais complètement dingue. C'est bien ce que j'ai pensé. Alors j'ai voulu te faire la surprise. T'as vu comme c'est facile? Est-ce que ça n'a pas bien marché? Qu'est-ce que tu me chantes? Tu n'es qu'un inconscient. Jusqu'à ce matin, j'étais honnête et t'as fait de moi un bandit. Charlie, j'ai fait de toi un homme riche. Et maintenant, arrête de pleurnicher et compte l'argent qu'il y a dans la sacoche. On fait part à deux. J'espère que t'es content. Eh hey, ben. Oui. Tu les as déjà comptés? Oui. Combien il y en a? Une vingtaine. Une vingtaine? Qu'est-ce que tu dis? T'as bien regardé? Oui, une vingtaine. De cavaliers. Ça va être top fait. Est-ce que c'est pas une idée géniale? Si t'as d'autres idées à la con comme celle-là, tu me préviens que je prenne mes précautions. Tu veux te foutre de moi, pauvre crétin? Je me demande pourquoi t'as dévalisé la banque? Thank you.
ça va, arrête de marcher de long en large. On dirait une vieille fille travaillée par la ménopause. On ne nous cherche plus, ça fait un mois maintenant. Et de toute façon, t'as rendu l'argent. Laisse-moi me baigner tranquille. T'as beau me raconter ce que tu veux, j'ai pas envie de me retrouver au bout d'une corde à cause de tes idées géniales. En attendant, enlève ton cul de ce baguette. Il y a plus d'une heure que tu y es. Qu'est-ce que tu fais, la lessive? Oui, la lessive. J'ai horreur de porter du linge sale. Tu ne laves jamais tes caleçons, toi. Il n'y a que les paysans qui mettent des caleçons. Il fait chaud, hein? Misère. Va tout de suite. Ne fais pas un geste ou je t'envoie une balle dans la tête. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Trouvez-moi l'autre, il ne va pas être loin. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne vous en allez pas, je crie. Oh, je vous défends de me toucher, vous entendez? C'est très mal. Oh, pas devant le portrait de feu, mon mari, je vous en supplie. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous partez? Oui, trésor, je ne veux pas devenir feu ton petit ami. Où est ton complice? Alors, est-ce que tu me reconnais, espèce de salaud? Tu vois, le poignet est guéri, mais ça... Je l'ai gardé pour toi. Où est ton complice? Parle! Tu vas répondre, oui? Je ne voudrais pas avoir à vous rappeler que vous êtes ici dans mon comté. Chez moi, on n'emploie pas ces méthodes. Je n'aime pas du tout cette façon de faire. Ne vous mêlez pas de ça. Vous êtes décidé à parler? Ce n'est pas vous, mon cher collègue, que ce salaud a blessé au bras. Et ce n'est pas dans votre comté qu'il a dévalisé une banque. Alors, lève-toi. Où est-ce que vous avez caché l'argent? Mais j'ai pas d'argent. Oh, ça va, ne fais pas le malin, mon garçon. Dis-nous ce que vous avez fait des 25 000 dollars que vous avez volés. Et nous ne les avons plus. Oui, vous n'avez pas dit qu'on les avait rendus. Je comprends pourquoi vous vouliez nous rattraper à tout prix. C'est pour nous boucler la gueule. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'est très simple. Cet honorable shérif et les incorruptibles qui l'accompagnent se sont servis aux mains. Oh! Quel dommage que ton complice ne soit pas là pour te tenir compagnie. Tu sais ce que dit le proverbe? N'essaye pas de te pendre tout seul ou tu mourras étranglé. Ne t'inquiète pas, il ne perd rien pour attendre. Je suis sûr qu'il vous demandera une photographie. Les voleurs, c'est ce qu'il admire le plus. Et il s'y connaît. Bon. Encore quelques minutes pour me permettre de regarder le visage de la justice. Allez, attends-moi-le! Oui, allez, cheval! Allez, 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 allez,
Paroles de l'Évangile, frère Brown. Débarrassez-vous avec joie de vos biens terrestres. Ah, il n'y a ici-bas rien de plus noble que la générosité. Un chrétien n'a pas de plus grand bonheur que de donner, donner, donner. Il ne l'a pas donné facilement, mais je l'ai eu. Il a fallu que je lui rappelle les paroles du Christ. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, qu'est-ce qui te trouble, frère Charlie? Ouvre-moi ton âme, mon enfant. J'aimerais mieux t'ouvrir la tête pour voir s'il y a quelque chose dedans. Est-ce que tu te rends compte que tu nous as mis dans la merde jusqu'au cou? On n'est pas seulement poursuivi pour vol maintenant, on est aussi poursuivi pour homicide. Mais l'argent, mon enfant, tu l'as jeté comme des confettis. Le shérif s'est tué lui-même. Mais comment on le prouvera, tu peux me le dire? Nous n'aurons plus de repos maintenant, nous sommes devenus des hors-la-loi dangereux. Eh bien, je crois que je préfère ça. Ça, ça te regarde. Mais il ne nous laisse pas le choix. Il va falloir qu'on soit à la hauteur de la situation. Résumons-nous. L'un des deux est brun, plutôt maigre et très grand, environ 1,90 m. L'autre est blond, les yeux bleus, environ 1,70 m. Il est agile, musclé et toujours en train de rire, même sans raison apparente. Ces détails sont un peu sommaires, mais c'est déjà suffisant pour se faire une idée. Je vais faire diffuser ces renseignements. Ah, ce n'est pas croyable. Qui aurait dit qu'une affaire aussi banale aurait mobilisé la célèbre agence Pinkerton? Une banque dévalisée, un shérif assassiné, un prêtre agressé. Ces deux criminels n'ont aucun respect pour les valeurs sur lesquelles repose notre civilisation, l'économie, la religion. Et l'ordre public. À partir d'aujourd'hui, ils vont avoir la vie dure. Faites-moi confiance. Encore en retard. Eh oui, monsieur. Je vous avertis qu'à l'avenir, je ne tolérerai plus le moindre retard, c'est compris? Oui, monsieur. Très bien. Ça ne va plus depuis quelque temps. Vous êtes somnolent, vous n'êtes pas à ce que vous faites. Vous êtes la honte de cette banque, Smith. Oui, monsieur. Mais si je dors le jour, c'est que je travaille la nuit sur les registres. Comme vous me l'aviez demandé. C'est un gros travail, monsieur. Smith, je vous préviens. Ou vous faites un effort, ou vous allez vous faire pendre ailleurs. Oui, monsieur. Bonjour, mon père. Vous désirez, mon père? Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Que puis-je faire pour vous? Voilà, le sort des prisonniers est affligeant. Et le Saint-Père m'a chargé de leur... venir en aide. Ah, il vous faut de l'argent. Smith! Écoutez, Smith, combien de fois faudra-t-il vous dire que c'est moi et moi seul qui règle les questions importantes dans cette banque? Oui, monsieur. Bonjour, mon père. Quelle somme vous faudrait-il? Tout ce que vous pouvez, mon enfant. Oh, notre banque, mon père, est sans limite. Mais vous comprendrez que je ne peux vous remettre l'argent dont vous avez besoin que si vous avez de solides garanties. Cela va de soi. Là. Dans le cas où vous n'auriez pas encore compris, nous venons dévaliser la banque. Cher directeur, ouvrez le coffre-fort. Avec ma bénédiction. Je refuse. Même si pour ça, je dois être tué. Eh, très bien. Ah, une minute, s'il vous plaît, messieurs. Non, messieurs, je dois prendre la clé. La clé n'est pas là-dedans. Hein? Dans ce tiroir, il y a le pistolet de la banque. La clé est ici, mon père. La voilà. Il n'a aucun ordre. Il ne sait jamais où il met ses affaires. Vite! Vite, remplissez la sacoche. Plus vite. Alors, plus vite. Smith. Oui, monsieur. Vous êtes renvoyé, prenez note. Je m'en doutais, monsieur. Smith. Oui, mon père. Je vous engage. Merci, mon père. Combien voulez-vous être payé? Oh, 3%. Je ne suis pas bien exigeant. Accordé.
On s'en va, c'est pas le moment de traîner ici. Hé hey. Smith, qu'est-ce que vous faites? Vous partez comme ça? Oh. Excusez-moi, directeur. Oh, vous avez raison. J'allais partir sans vous remercier pour toutes les attentions que vous avez eues pour moi. Oh. Oh. Allez, fais comme nous! Mais je sais pas! Tu sais pas monter à cheval? Mais non! Eh bien, c'est une très belle occasion pour apprendre! Hé, courage! Voyez pour moi, mon père! Allons-y! Aux voleurs, ils ont attaqué la banque! Attention, ils ont dévalisé la banque! Ne les laissez pas échapper! Oh, oh! Je ne sais pas prendre le virage! Je suis rentré dans le fond, dans le fond! Les yeux du brun étaient noirs. Pour être précis, ils étaient comme ça. Le blond, c'est plus difficile. Il avait les yeux fuyants. Le brun avait une barbe touffue et le menton plus prononcé que l'autre. En un sens, c'était deux hommes très différents. Ressemblait-il à ces deux dessins? Regardez bien. Ah oui? Oui, c'est très ressemblant. Shérif, j'en veux 2000 copies. Ces deux bandits sont recherchés pour homicide et vol d'une banque. $5,000 à qui les ramènera vivants ou morts. Ben, vous allez déchaîner tous les chasseurs de primes du territoire. C'est exactement ce que je veux. D'accord. Mais ce ne sont pas des photos, ce sont des gribouillages. Ils ressemblent à tout le monde et à personne. Il y a des chances pour que vous receviez des charrettes pleines de cadavres qui n'ont rien à voir avec ces affaires-là. L'important, c'est que dans le tas, il y a aussi mes deux hommes. Enfin. J'ai fait les parts de chacun. Qu'est-ce qu'il y a, 3%? Tu n'es pas contente, ta part te paraît trop petite? Comment, petite? Vous voulez rire? C'est ma paye de 10 ans. Ah, ça fait beaucoup d'argent. Et c'est bien ce qui me fait souffrir. Hein? Souffrir? Mais bien sûr. L'argent, quand il n'est pas dans une banque, il est comme mort. Si on ne l'investit pas, on n'en tire aucun bénéfice. Ça ne rapporte rien. Tu crois? Ben bien sûr. Vous vous rendez compte des intérêts que ça rapporterait de placer une somme pareille? Non. Non, pour ça, il faudrait qu'on le mette en dépôt dans une banque. Et voilà. T'es un génie, 3%. Un petit conseil. Vous ne devriez pas trop faire de projets au sujet de cet argent. Il n'est pas pour bien longtemps dans nos poches. Toi, t'as envie de t'amuser? J'ai envie de te faire soigner. Tu veux faire avec ça? Et c'est pas tout. Il va falloir se créer une façade respectable. Ça veut dire qu'il faudra habiter une maison, être servi et respecté. Mais enfin, avons-nous des choses à faire encore? Oui, et je ne plaisante pas. On devra apprendre à ne pas trop nous faire remarquer. La maison se remplit. Essayons d'arriver à la porte de secours. Ce sera dur. On n'y arrivera jamais, vivant. Faites quelque chose. Boum! Tu l'as manqué. Je dois rire.
Nom inconnu, recherché pour meurtre et vol. J'en mettrai ma main au feu. Qu'est-ce que t'en dis, Butch? Je crois que tu as raison. Et toi, Carlos, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Carte de visite. Alors, vous êtes d'accord? On fait un bout de chemin ensemble? Pourquoi pas? Le plus drôle, c'est quand vous avez pris pour des chasseurs de primes, hein, Charlie? Eh oui. Comment on peut se tromper? Ce ne sont que d'honnêtes salauds. Oui, monsieur. Tu veux boire un peu de ton boyau avec moi? Non, monsieur, non. J'ai un ulcère. Quoi? Ça dégoûte? Et il boit que de l'eau, ce type-là, je l'ai vu tout de suite. C'est vrai? Oui, c'est... Ouais, 3%. Bande de brigands. Oui, ça fait un beau coin-tête. Qu'est-ce que tu en penses, Charlie? Eh bien, si nos affaires allaient mal, on pourrait faire un numéro dans un cirque. D'accord. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Faites vos jeux. Sur le 2. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Les jeux sont faits. Rien ne va plus, rien ne va plus. La banque. Zéro, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai gagné. Excusez-moi, monsieur, mais mon ami n'a pas l'habitude de ces nouvelles. C'est un garçon qui ne sort jamais de son ranch. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui puisse lui donner quelques explications, il comprendra. C'est le zéro qui est sorti, monsieur. Hein? Vous avez bien vu un petit rond.
Comme ce canon? Comme le petit rond qui lui rentre les deux yeux du premier qui fait un mouvement. Reste là! Debout! Et pas un geste où vous êtes mort! Et tout le monde, les mains en l'air. Par ici. Vite! Sortez de là! Et toi aussi! Vous avez entendu? Les mains en l'air. Plus haut. Bravo, chef! Si vous laissez tomber une seule bougie, je vous mets une balle en pleine tête. Chef, c'est de l'or massif. Prends ça. C'est pour toi. Une belle pièce. C'est un plaisir de faire des cadeaux comme celui-là. Bon anniversaire, Ben. C'est pas son anniversaire. Peut-être, mais toi, tu n'es pas le chef. Allons-nous-en, Ben. Messieurs, la banque saute. Rien ne va plus. Quelle désillusion. Je croyais que ces deux hommes étaient plus intelligents. Que voulez-vous dire? Ils avaient un énorme avantage. Nous ne savons pas comment ils s'appellent. Nous n'avons même pas une photographie de ces imbéciles. Et voilà ce qu'ils font. Ils vont s'acoquiner avec des bandits qui ont commis je ne sais combien de crimes et qui sont recherchés par toutes les polices de l'État. Ça va bien nous faciliter les choses. Ils ne pourront plus aller bien loin maintenant. Ah, bah ça y est, les parts sont faites. Tu es magnifique. Tu manipules ça comme un prestidigitateur. C'est gentil, ça. Mais tu vas recompter ces dollars tout de suite. Un à un et lentement. Mais je comprends pas, vous ne croyez pas qu'il... Mets-toi ça dans le crâne, je ne crois que ce que je vois. Recommence à compter, tu as compris? Oui, monsieur. Laisse tomber, Kurt. J'ai confiance en notre ami. Moi, pas. Très bien. Dans ce cas, il faut savoir qui est le chef et si c'est moi qui commande ou toi. Qui sait maintenant qui est-ce qui commande? Et hop!
C'est rigolé. La preuve est faite une fois pour toutes. C'est moi qui commande ici. Et voilà ce que j'ai décidé. Prenez chacun la part qui vous revient. Et foutez le camp. Et revenez me voir dans une dizaine de jours. À ce moment-là, je pourrai vous dire quels sont mes projets pour l'avenir. Entendu, chef. On n'oubliera pas. Si on s'en allait, nous aussi. Et où tu veux aller? Si eux vont au nord, nous, on ira vers le sud. Ça me paraît clair, non? En 10 jours, on aura fait un bon bout de chemin. Dans 10 jours, on sera toujours dans ce pays. Ça me dit rien de dormir avec un pistolet sous la tête toutes les nuits. Après la leçon que je viens de leur donner, je suis sûr qu'ils se tiendront tranquilles. Ah, Ben, mon ami, tu n'es qu'un connard. Et si tu continuais à jouer avec les serpents, tu pourrais bien ne plus jamais revoir ta chère maman. Tu vas faire ce que je te dirai. Je me trompe pas, il me semble que j'ai trouvé un chef. Ça se pourrait. Si une personne a mérité de commander, c'est ton petit camarade. Pendant que j'avais ces 3 petits cons après moi, toi, tu n'as pas donné un seul coup de poing. Tu te débrouillais si bien tout seul. Bah, c'était un beau spectacle à regarder. Magnifique. Cross-eyed man, he said to me, let it rain or let it pour, but I don't care if the sun won't shine. I've been here and I've been there. I even been to Arkansas, where I found me a friend. I call him my friend. Let it rain, I said, let it pour. I don't care if the old man snores. West of the Great Divide, I'm going east to Santa Fe. Grab me a ride, we're riding blind, going down the county line. Let it rain or let it pour, I can hear the people say, play a song, it won't take long, like a natural ragtime band. Big Lake Ida, she can't get high, she just sits and sings the blues. Oh yeah. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon pistolet? Tu sais, Ben, j'étais en train de penser que le métier de chef est un métier très difficile. Il y a des lois et je crois qu'il serait prudent que tu les connaisses. Par exemple? Premièrement, un chef ne doit jamais se séparer de son arme ni de jour ni de nuit. Allez, donne-moi ça. Deuxièmement, un chef ne tourne jamais le dos à quelqu'un. Smith, donne-moi la sacoche. Je croyais que tu étais mon ami. Un chef n'a jamais eu d'amis. On ne t'a pas appris que l'argent pourrait, c'est tout. Qu'est-ce que t'as fabriqué à l'école?
casserai la gueule, t'es une belle ordure. Et toi, un pauvre crétin. Tiens. Je voulais juste te donner une leçon. Tâche de te souvenir de ce que je t'ai dit, parce qu'à partir de maintenant, tu devras te débrouiller tout seul. Si t'as besoin de quelque chose, je serai à Silvertown. Halt, ou tu es mort! Voilà, chef. Et n'oublie pas que tu dois également surveiller l'armement de tes hommes. Et les moindres détails. Dernier commandement, il est interdit de tuer. Ainsi soit-il. Donne-leur ça. S'ils insistent, tu leur diras qu'on doit toucher l'héritage de tant de Philomène dans 2 mois et qu'à ce moment, on pourra leur dire. Bonjour, mon fils. Pouvez-vous changer? Voilà, mon père. Que Dieu vous garde. Imagine que tu déposes en banque tes 50 000 dollars au taux d'intérêt de 3%. C'est un génie. On va s'occuper des banques. Il y aura des morts. Tu vas changer d'avis? Non. Non, j'ai seulement changé de plan. On ne tirera pas un coup de feu. Ces messieurs nous attendent dans les grandes banques et dans les villes importantes. Et nous, au contraire, nous choisirons une petite banque dans un petit village isolé. C'est ça, avec un petit coffre-fort plein de petits dollars. Et pourquoi pas? Même si le coffre est vide. C'est toi qui as une case de vide pour parler comme tu le fais. Vous êtes une bande de crétins. Je vous montrerai, moi, comment on peut entrer dans une banque dont le coffre-fort est vide et en sortir tranquillement avec 50 000 dollars. Bien sûr... Il faudra bien choisir l'endroit. Par exemple, Silvertown. Pourquoi justement Silvertown? Eh bien, parce que c'est le coin le plus tocard, le plus crasseux de tous les villages de la frontière. Il y a encore un an, c'était plein de monde et plein de fric à cause de l'exploitation des mines d'argent. Et puis on a fermé les mines parce qu'elles étaient à sec. Et du jour au lendemain, tout le monde a quitté la ville, comme les rats quittent le bateau qui fait naufrage. C'est ça, Silvertown. Un tas de maisons qui se déglinguent, qui pourrissent. C'est un coin tellement sale, tellement déprimant qu'il faut être une loque pour ne pas avoir envie de le quitter. Chérie, il y a 2 voyageurs. Ben, les voyageurs, je les connais, ils ont toujours le feu au cul. Hey, chouchou. Bonjour, messieurs. Vous prendrez bien quelque chose? La merde. Est-ce qu'il n'y a pas un verre propre dans cette porcherie? Ben, je vous l'avais dit, ben, les voyageurs, mais ils sont tous le feu au cul. Ceux-là sont lavés, monsieur. Parfait. Verse dedans ce que tu voudras. Ce que je te demande, c'est de ne pas nous empoisonner. C'est la première fois que vous venez à Silvertown? Pourquoi? C'est une ville où on peut venir plusieurs fois. Est-ce que vous logerez ici? Je sais pas. J'hésite entre ici et l'hôtel Ritz. Vous devez vous tromper, il n'y a pas d'hôtel Ritz dans la ville. Par contre, il y a plein de maisons inhabitées. Vous en choisissez une, vous enlevez quelques toiles d'araignée et vous serez comme un prince. Je ne me sentirai pas tranquille. Il y a beaucoup trop de gens dont la figure ne me revient pas. Regardez. Je n'ai aucune arme sur moi. Vous avez vu? Il est complètement désarmé. Mais j'aime pas les étrangers. Ils vont, ils viennent, ils ont le feu au cul. Allez, joue. Vous voulez acheter un fusil? Un pistolet? Le magasin est à moi. Il est là, 2 pas d'ici.
juste à côté de la banque. Il y a une banque? Bien sûr. Ah, très intéressant. Et à quelle heure ouvre-t-elle? Oh, dans peu de temps. À 3 heures précises. Oh, il y a une sonnerie. Elle est magnifique, hein? Ah, je pense bien. On me l'a offerte il y a un bout de temps. Elle était un vieil ami à moi. Garçon, combien je vous dois? 1,5 $. Ouvre la sacoche, 3%. Oh! Tiens, tu pourras garder le reste. Oh, il y a une valise qui est pleine de dollars. Et tu vas pas me dire que t'aimes pas l'argent, je te connais. Mais l'or, l'argent, tout ça, ça sert qu'à mettre le feu au cul, Jojo. Jo! 1,5 $. 1,5 $. Je suis trop. Ah. 1 $. Je t'ai bien eu. Tu l'as dans l'os. C'est la vie, 3%. Quand on n'a pas ce qu'il faut dans le pantalon, il n'y a pas d'autre solution que de ramasser les mégots. Attendez. Pour le spectacle. $52,659, $52,600 exactement, que vous voulez déposer ici. C'est bien ça, monsieur Bellot. Mais c'est une banque, non? Ah, sans aucun doute. Mais c'est une somme si importante. Pardon, le coffre-fort ferme bien, n'est-ce pas? Oh, mais naturellement, voyons. C'est un modèle breveté, il est absolument imprenable. On ne peut pas le faire sauter, même par la dynamite. Je vous prépare tout de suite votre reçu, monsieur. Et vous m'assurez que je peux être tout à fait tranquille. Il y a eu tellement de banques dévalisées depuis quelque temps. Dès cet instant, vous n'avez plus rien à craindre. Votre argent est sous la responsabilité de notre banque. Ce n'est qu'une filiale, bien sûr, mais une filiale d'une des plus importantes banques du monde. Voilà, avec cette pièce, vous pouvez toucher votre argent quand et où vous voudrez, monsieur. Même à New York, ou à San Francisco, et même à l'étranger, je vous en prie. Ça m'a l'air d'aller. Ah oui, oui, c'est correct. Je vais mettre tout de suite l'argent dans le coffre. Ne te dérange pas. $52,600. Le chef a vraiment pensé à tout. À part ce petit intermède, évidemment. Salaud! Mais il n'y a qu'une balle dedans. T'inquiète pas. Bon de Dieu, la sacoche! Arrêtez-vous! Rouille-toi, imbécile! Prends-la et fichons le camp! Vous oblige à intervenir. Et moi? Oui. Une minute. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et toutes les stupidités qui suivent, je te nomme shérif à compter de maintenant, etc., etc., etc. Tu es pour commencer. Colle-toi cette petite étoile sur la poitrine. Vas-y. Tu la perds pas, hein? Allez, tiens. Je vois pas bien ce que je peux en faire. Je crois qu'il vaut mieux demander qu'on nous envoie du renfort.
Je suis content que tu leur aies échappé. Tu les as eus, j'espère. Non. Pas encore. Mais tant que l'argent est là, ils s'en iront pas d'ici et je les aurai. C'est pas mes filles. Dommage, Ben. Et c'est ma faute. J'aurais dû te laisser dans ta banque. Oh non, non. C'était une aventure magnifique. Il n'y a qu'un ennui. Ça n'a pas été très long. À compter l'argent des autres. Et à calculer comme une machine un intérêt de 3%. Oui. Avec toi, Ben, je suis devenu un homme. Oui, un homme. Pratiquement abandonné à une cinquantaine de kilomètres d'ici. On aurait mis à 2 heures pour y arriver. Vous pouvez rassembler les hommes, nous partons. À l'avant! Et d'où tu sors, toi? J'ai été télégraphié. Je leur ai dit de nous envoyer du renfort. Et ils sont ici dans 2 heures, au moins. Dans 2 heures, il n'y aura plus d'étoiles ici que dans le ciel. Ah, tu l'as reprise, ta sacoche. Alors qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu n'as pas fichu le camp? Parce que ces salauds ont tué 3%. C'était mon ami. Et moi, j'abandonne jamais un ami, même quand il est mort. Et de toute manière, ça ne te regarde pas. Et maintenant, débarrasse-moi le plancher une bonne fois pour... Si je te fracasse pas la gueule, c'est parce que ça ferait trop de bruit. Et maintenant, si tu veux qu'il t'assomme, vas-y. Ce sera un vrai plaisir de voir ce qui sortira de ta tête de bois. Oh, tiens, tu m'emmerdes. Charlie, excuse-moi. Je savais que c'était un risque. Ce qu'il y a, c'est que je ne voulais pas admettre que tu avais raison, parce que... Il y avait ce garçon si gentil que ces salauds m'ont tué. C'est pour ça que j'étais en rogne. C'était pas contre toi, Charlie. Je le sais.
Mais c'est juste. On ne t'apprend rien à toi. Tu dois donc savoir aussi que cette affaire ne regarde que moi. Et tu n'as pas à t'en mêler. Et maintenant, Charlie, ne traîne pas, fiche le camp pendant que tu peux. Moi, je ne peux pas venir. Je vais venger Smith et je le vengerai. Même si je dois y laisser ma peau. Tiens, tu n'en es plus. Tu me connais bien. À partir de maintenant, je ne ris plus. Adieu, Charlie. Ils nous ont eu. À l'heure qu'il est, ils doivent être loin avec les dollars. Ils sont encore ici. Ils n'ont pas bougé, je le sens. Ils sont quelque part dans une baraque de ce maudit village. Thank you.
m'entends, fils de putain? Hey! Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te prévenir que d'une minute à l'autre, le shérif des Round Town et ses hommes vont nous tomber dessus. Et alors? Alors, ça ne me dit rien de finir au bout d'une corde. Je fais une... C'est bien ce que tu voulais, non? Si t'es d'accord, jette ton arme par terre, moi je le ferai aussi. Et pas de coup en douce, compris? Tu sais ce que je pense, Ben? Quoi? Tu ne dois plus avoir une seule balle, je me trompe? Qu'est-ce que tu attends pour répondre? Est-ce que tu as entendu ma réponse? D'accord, Ben. Sortons et jetons le pistolet. Nous sommes bien d'accord là-dessus, j'espère. Jette la sacoche. Charlie dit que t'es beaucoup plus dangereux qu'un serpent. Moi, je suis pas d'accord. T'es qu'un fumier, un vieux salaud, un type capable de toutes les saloperies. Qui a raison, à ton avis? Tu peux me dire quel est l'imbécile à part nous deux qui voudrait prendre le risque de se perdre dans ce désert? Désert? T'exagères toujours. C'est comme une plage
Une plage de 50 km, c'est une balade. Après, on est tiré d'affaire. On sera riche. 52 000 $. Plus les 52 autres 1 000 reçus de la banque. Ça fait 104 000 $. Allez, en marche! De la gaieté, de la gaieté! Calme-toi, imbécile, tu vas rouvrir ta blessure. Quelle blessure? Je me sens très bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je suis en pleine forme. Hey, Charlie! Hey, Charlie! Charlie! Amène-toi, on est sauvés! J'en viens, merci. Oh! Oh, t'aurais pu prévenir! Oh! Oh, tu manques de tact depuis quelque temps. Mais... Cette fois, je te pardonne. D'une main, hein? Aide-moi. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu te dérondes? Mais il reste plus que 49 km. On en a déjà fait un derrière la diligence. Dès qu'on sera arrivé dans le village, tu verras. Je viens d'avoir une idée de génie. Un truc auquel tu t'attends pas. Quelque chose de fantastique. Charlie, fondons une autre société. Tu sais qu'à moi, tout me réussit. Let it rain, I said let it pour. I don't care if the old man snore. West of the great divide, I'm going east to Santa Fe. Grab me a ride, we're riding blind. Going down the county line. Let it rain or let it pour. I can hear the people say, play a song, it won't take long, like a natural ragtime band. Big Lake Ida, she can't get high, she just sits and sings the blues. Oh yeah, been told. Let it rain, let it pour. I just don't care, I'm talking now. Let it rain or let it pour. Or I just don't care, now I'm going, I'm sinning.